un petit changement, nous avons un petit problème au niveau ministère. Donc, la date du 1er août, nous ne sommes pas capables de maintenir l'île. Donc, pour un postponement, nous dire, nous ne postponons pas une semaine, donc le 8 août. Donc, nous avons besoin d'une communication officielle, mail, tout ça, pour informer de ça, et qui manque des autres modalités encore. Alors, là, donc, sans plus tarder, je vous invite l'intervenant du jour pour prendre la session. Donc, sinon, je vous souhaite de bonne chance et nous retrouvons très prochainement. Alors, bonsoir tout le monde et merci d'être fidèle au rendez-vous. Donc, j'ai l'occasion commence la session, une session sur l'aspect comptable, donc la section comptabilité. Et je disais que ça, nous pouvons consacrer deux ou trois, voire quatre sessions sur la comptabilité. Donc, nous avons l'occasion de faire une première partie de sa série de sessions-là la semaine dernière, c'est-à-dire samedi. Donc, nous causons pas mal de choses et aujourd'hui, nous pouvons suivre la continuité, donc, pour gagner, nous gagner l'occasion cause de les autres financial statements, donc, nous avons commencé samedi dernier. Donc, pour gagner l'occasion, pour commencer la session dans les meilleures conditions, je pense qu'il est très important de nous faire un brief recap de ce que nous avons fait samedi. Donc, nous avons fait pas mal de choses. Donc, nous pouvons faire un petit recap de session la semaine dernière pour que nous soyons capables, donc, d'assurer la continuité de sa session d'aujourd'hui. Là. Donc, nous commençons la session avec un livre comptable important pour les stakeholders, que ce soit les internal stakeholders, que ce sont les owners, management, employees. Je dis également l'information qui nous est dans les financial statements. Il est important également pour les external stakeholders, donc le gouvernement, investors, lenders, suppliers, NGOs, etc. Donc, peut-être tout à l'heure dans mon slide, je vais vous présenter un peu plus en détail. Donc, ça nous dit qui nous capable ensure que nous avons accounting information soit true and fair. Ça veut dire qu'il y a besoin objectif et non subjectif. Il n'y a pas besoin bias. Nous besoin suivre ban règlement, ban rules and regulations qui nous besoin suivre pour assurer qu'il n'y a pas qui s'en a qui a l'occasion de get some financial statement, il get li dans la même façon et il est capable de tirer la même conclusion de some financial statement. Ça nous cause de trois règles qui sont très, très importantes, qui nous visent à assurer qu'il est là, qu'il nous observe. D'abord, c'est Generally Accepted Accounting Principles, donc qu'il nous appelle le GAAP. C'est les rules and regulations qui est l'entreprise besoin d'observer, donc les préparations de compte. En deuxième lieu, nous avons un accounting standards. Et donc, ça, c'est les rules and regulations qui sont mandatory, donc qui est prescrit par les autorités d'un pays. Donc, il nous besoin de respecter pour assurer que les comptes, les financial statements sont préparés dans les bonnes conditions, qui respectent les bonnes règles. Et dernièrement, nous avons ce qu'on appelle IFRS, donc International Financial Reporting Standards. Donc, c'est les standards qui sont connus internationalement. Donc, qui tous les pays suivent pour assurer qu'ils nous donnent justement un fair and true picture of the financial statements. Donc, nous disons, c'est quoi GAAP? On va dire, c'est les international rules qui nous besoin d'observer. Et non, GAAP, c'est ban practices qui nous besoin observer au niveau de l'entreprise et International Financial Reporting Statement, c'est ban rules and regulations qui à l'échelle internationale. Je suppose également de ban users of financial statements, qu'on utilise maintenant ban donc internal stakeholders et puis de ban external stakeholders, donc ban investors, lenders, management pour ban raison qui nous est évoquée, pour qu'on a profitabilité, pour qu'on ait ce qui nous prête l'argent, est-ce que l'entreprise est capable de payback, est-ce qu'il est pour solvent, est-ce qu'il est capable de payback the capital and the interest, pour management bien sûr, pour assurer qu'il nous dans la bonne direction, pour assurer ce qu'il nous appelle le planning, le policy making et l'évaluation. The suppliers and trade creditors, donc c'est une personne qui vend produit en crédit, donc nous assurer qu'il est capable de payer le montant qu'il nous doit au bout d'un certain temps. Donc, j'ai besoin qu'on ait l'information, par exemple, de la cash flow de l'entreprise, ce qu'ils appellent la liquidité de l'entreprise, pour qu'ils soient assurés, qu'ils soient capables de continuously supply the raw materials to the enterprise et assurer en retour qu'ils soient capables de gagner l'argent qu'ils nous doivent pour assurer qu'ils soient capables de continue to supply.
Également important pour, par exemple, le gouvernement, pour que le policy dans l'industrie qui nous peut évoluer, ou dans le domaine qui nous peut évoluer, customers, pour assurer qu'il y a une continuité in the supply of the service or the product, employees, important pour connaître est-ce qu'ils ont une stabilité d'emploi, est-ce qu'ils ont des fringe benefits et des promotion opportunities y assurer, pour assurer qu'ils, par exemple, ne sont pas cherchés ailleurs et qu'ils sont capables de continuer donc bénéficier de l'emploi que tu travailles. Et bien sûr, bien évidemment, le public en général, il est important de connaître l'information qui est divulguée dans les financial statements. Nous passons un petit peu les temps de mon accounting concepts. Comme on dit, il y a un quantity accounting concept qui nous vient observer. C'est une rule, c'est une regulation qui nous vient prendre en considération et nous prépare de mon financial statements. Et dans une série, la liste n'est pas exhaustive, mais nous tient dans quelques-uns qui nous pensaient est très important en tant que potentiel entrepreneur, nous bien connaît et surtout là nous prépare nos comptes, donc nous prépare nos accounts. Premier, c'est business entity. Moi, tiens tardement alors là pour dire qu'il est très important qu'il nous dissocie l'entrepreneur et l'entreprise, parce que l'entrepreneur, bien sûr, c'est un private person, c'est un private entity, c'est un personal entity. Par contre, un business, c'est une autre identité. Mais il ne faudrait pas qu'il nous confonde les deux. Il faudrait que the expenses and the income of the person as an entrepreneur, il est séparé from the income and expenses of the enterprise. Il est très important, il ne faut pas mélanger les deux. Mais c'est également cause le going concern, nous dire comme ça, là, nous prépare nous demande compte. D'ailleurs, là, nous prépare nous business plan, nous prépare nous pour 2, 3, 4 ans, pour qui nous capables d'assurer qu'il y a une continuité. Donc, nous devons continuer prépare nous financial statement for the foreseeable future, for the next 2, 3, 4 years. C'est ça qu'on appelle le going concern. Autre concept qui nous est développé, c'est le prudence concept, comme le mot indique nous. Donc, revenues and profit are not anticipated. Donc, il faut dire que, par contre, expenses, même s'ils n'ont pas incurred, nous devons prendre en considération. Ça, c'est le prudence concept. Objectivité, donc le contraire de subjectivity, là, nous prépare nos financial statements, là, nous prépare nos bancs de compte. Il faut dire qu'il est bias free. Faut dire qu'il n'y a pas de qui s'en a qui a un recours à ce man compte là, qui quitte ce man compte là, il y a même il y a même man conclusion, il est capable, il y a même l'information. Faut dire pas il y a l'élément de bias, faut dire pas il y a l'élément de subjectivity, pour qu'il nous accorde assurer qu'il n'y a pas de qui s'en a qui quitte ce man compte là, donc bien sûr il est capable d'être lié ou n'y a pas de qui s'en a. Donc pénal l'élément de subjectivity. D'accrual concept et non, là nous prépare nos man financial statements. Surtout le income statement, nous devons prendre en considération que même si nous pas gagnons l'argent cash as such, mais nous gagnons revenus. Par exemple, pour credit sales, même si nous pas tous l'argent, c'est revenu. Right? La même chose pour bank purchases, même si c'est credit purchases, même si nous pas dépense l'argent, nous pas décaisse l'argent. Donc bien sûr, c'est une dépense. Donc nous pas prendre en considération une chose, nous pas prendre transaction seulement quand cash is received ou cash is paid, mais as revenues received and expenses are paid. Donc, pas nécessairement, only cash items are recorded. Even credit items are recorded. Donc, c'est ça, revenue et dépenses. C'est ça, accrual concept. Là, nous get la différence. Là, nous get the statement of cash flow. Par exemple, dans statement of cash flow, nous pouvons get uniquement man cash transactions que nous pouvons get crédit. Par contre, dans statement of financial position et puis financial income statement, nous sommes capables de prendre en considération les deux, cash and credit transactions. Consistency, donc si nous commençons à servir une méthode de comptabilité, par exemple, une méthode de dépréciation qui nous utilise, soit les straight line ou bien reducing balance method, once que nous commençons à servir au cours d'un certain temps, donc nous pouvons continuer à servir sa méthode de ça. C'est ça qu'on appelle consistency pour que nous sommes capables de comparer man financial statements au bout d'un certain temps. Si nous servons différentes méthodes, donc il est plus difficile pour nous capables de comparer man financial statements. Donc, nous capables de comparer lights. Donc, si nous servons une méthode de dépréciation, par exemple, nous devons continuer à servir la même méthode, à moins qu'il y ait un petit problème, et un problème majeur avec sa méthode qui nous peut servir là, ou qu'il nous capable de jump to another method. Mais aussi longtemps qu'il peine à ça, un issue là, donc bien sûr, nous devons continuer la même méthode pour assurer qu'il y ait une consistency dans ce qui nous peut préparer. Nous avons the basis of accounting system qui nous appelle double entry and single entry. For every debit, there is a corresponding credit. Ça veut dire any transaction. Nous avons deux aspects. Nous avons l'aspect de debit avec l'aspect de crédit. Right? Nous avons get double entry, c'est quoi? Donc, si par exemple, nous prenons une transaction sold good for cash, nous avons deux
accounts qui involvent, le sales account avec le cash account. Donc, cash fait quitter l'entreprise, nous credit cash account, nous debit sales. La même chose pour purchases, etc. Donc, ça, c'est double entry system of bookkeeping. Là, on vient le accounting process. Donc, on fait un petit peu vite pour assurer que je donne un tableau de ce qu'ils nous fait samedi dernier pour nous capables d'entendre la suite aujourd'hui. Donc, nous disons l'accounting process qui commence avec identification, avec les transactions. Et puis, nous disons summarize, nous disons record. Et puis, ultimately, nous disons prepare accounting reports, accounting statements, accounting reports. Dans le but de ne pas stakeholders, donc communique ça ban internal avec external stakeholders, comme on disait précédemment dans la slide avant. Et puis, pour capable permettre analyse et interprétation, pour capable prendre une décision pour l'entreprise. Nous tiens en termes la deuxième partie de sa session samedi-là par Get Ban Financial Statements. Comme on disait au départ, il est impossible nous capables de passer tout un élément de comptabilité dans deux ou trois sessions. Donc, ce que nous disons, nous pouvons faire dans ces deux ou trois sessions-là, c'est Get l'essentiel donc de ce qui nous connaît as potential entrepreneur et qu'il est demain une commence à l'entreprise, qui ban compte, qui nous a gardé et comment nous a gardé. Donc, nous pouvons en considérer seulement trois financial statements. Nous avons income statement, statement of financial position, et puis cash flow statement. Nous avons déjà fini income statement la semaine dernière. Nous passons là très brièvement, et puis nous pouvons entamer ce qu'on appelle the balance sheet and the cash flow statement. Alors, la question qui nous pose nous, souvent deux fois, là, nous préparons les financial statements, mais combien profit l'entreprise a gagné? Est-ce que l'entreprise génère un profit ou bien il encourt une perte? S'il encourt un profit, combien profit il gagne? Donc, ça, l'élément de réponse à cette question-là, nous pouvons gagner dans the income statement, qui nous appelle the trading and profit and loss account, qui nous gagne l'occasion d'être en long et en large la semaine dernière. Aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, nous pouvons répondre à la deuxième question, c'est que what are the assets and liabilities of the business at the end of a particular period? Donc, nous pouvons ce qu'on appelle le bilan, ce qu'on appelle le balance sheet, ou bien nous rappelle statement of financial position. Le premier income statement, ce qu'il y fait, il get the performance of the enterprise. Est-ce qu'il y gagne profit ou bien perte? Par contre, le deuxième financial statement, qui est le bilan ou balance sheet ou statement of financial position, il montre nous qui ban assets, qui ban liabilities, avec qui equity, qui capital, qui l'entrepreneur. Nous pouvons ça très dans ma prochaine slide qui peut venir aujourd'hui. Et puis, en dernier lieu, nous pouvons get, par exemple, what are the sources and uses of cash? Là, nous pouvons bien évidemment le statement of cash flow. Donc, the cash inflow and cash outflow. Right? Nous pouvons dire, nous pouvons prendre en considération seulement une transaction qui en fait en cash. Et là, il est au contraire de ce concept qu'il nous a causé précédemment, qui appelle le accrual concept, si je te rappelle bien, le accrual concept, il dit, nous pouvons prendre même une credit transaction en considération. Par contre, dans le statement of cash flow, nous pouvons prendre uniquement, comme le mot même indique nous, statement of cash flow, nous pouvons prendre cash inflows and cash outflows. No credit transaction will be taken into account. Alors, pour répondre à ces trois questions-là, donc bien sûr, nous avons trois financial statements, the profit and loss account, qui nous finit déjà fini la semaine dernière. Aujourd'hui, nous pouvons prendre le balance sheet et puis le cash flow statement. Alors, this pour permettre d'être capable de suivre le croquis, le business plan que le ministère envoie d'être, c'est en français. Donc, pour capable de permettre d'être, moi, je disais la dernière fois, c'est que les principes restent les mêmes, c'est exactement la même chose, sauf que les noms sont différents. Donc, pour ne pas confondre d'être, pour ne pas gagner trop problème, les autres considèrent, les autres baguettes, ça document que le ministère envoie d'être là. Donc, on vous dit d'être l'équivalent en français. Donc, c'est profit and loss account. Nous appelons également l'income statement, ça nous dit juste la dernière fois, mais en français, c'est les comptes des résultats. Donc, le compte des résultats, le résultat, c'est quoi? Soit le bénéfice ou bien une perte. Deuxième, c'est balance sheet ou statement of financial position. En français, c'est le bilan. Donc, contenir un asset and liabilities, les actifs et les passifs en français. Et puis, en dernier lieu, le cash flow statement, c'est le plan de trésorerie. Donc, les get the cash inflows and the cash outflows. Donc, we record only cash transactions. Alors, pour synthétiser un petit peu le financial statement, donc statement of financial position qui nous pouvait être tout à l'heure, il contenait un assets, nous pouvait être qui comment nous définir un asset, quels sont les éléments de asset,
qui ban les liabilities, qu'est-ce qui était equity dans financial position, dans balance sheet ou bien le bilan qu'on a appelé. Maintenant, financial performance, une des affaires négatives de profit and loss account, the income statement. Donc, l'utilité, il y a un income, il y a un expenses, et la différence entre income and expenses, c'est le bénéfice de profit ou loss. Alors, nous attendons longtemps le income statement, que nous dire qui fait l'income statement important. Je ne vais pas parler de tout ce moment-là, mais vous venez de l'essentiel. Donc, income statement, nous dire nous prépare pour get the performance of enterprise. Alors, performance veut dire either profit or loss. Est-ce que l'entreprise fait profit at the end of the day? Est-ce qu'il fait la perte? Donc, the income statement is prepared for the whole year. For the year ended, par exemple, nous prépare income statement for the year ended, à nous dire 2019. Donc, il commençait, par exemple, ce financial year commençait en 1er janvier, il y a jusqu'à 31 décembre. Donc, nous prépare for the whole year, for the year ended 2019. Donc, si nous trouvait, nous guettait là-dedans, nous guettait, est-ce que l'entreprise, il fait un profit, bien loss, donc la différence entre revenus et dépenses. Et comme on dit, les autres revenus, nous prend both cash and credit et expenses aussi, pareil, tout en observant le accrual concept, nous prend les dépenses en cash et les dépenses en crédit. OK? Alors, bien sûr, nous gagnons le gross profit et puis nous retirons tout bas de dépenses qui nous ont couru dans l'entreprise, donc selling expenses, administrative expenses and all other expenses qui nous fait dans l'entreprise, qui nous ont couru dans l'entreprise, qui nous a payé pour finalement là, nous retirer ça de nos gross profit, nous gagnons le chiffre qui nous appelle the net profit ou bien the net loss. C'est donc le résultat net de the income statement. Right. Donc, income statement, comme on a dit, c'est la différence entre revenus et dépenses qui nous gagne le profit. Une dépense, comme on a dit, ça, c'est pas exhaustif. Une quantité de dépenses, marketing, advertising, dépréciation, other expenses, ça nous retire tout ça en dépenses. Ça nous gagne the earning before tax et ensuite, là, nous enlève le tax, nous gagne le net income. Donc, earning before tax, retire tax, nous gagne le net income. Nous faisons l'exemple, on va passer là, pour venir directement au cost of goods sold dans le trading account. La formule que nous devons retenir, c'est nous prendre le opening stock, donc le stock que nous tiendrons dans l'entreprise au départ, nous ajoutons le purchase of raw material, et puis nous retirons le closing stock pour nous gagner finalement le cost of goods sold. Et là, nous retirons le cost of goods sold from the sales revenue, nous gagnons ce qu'on appelle le gross profit. Maintenant, là, nous prenons les autres dépenses. Nous retirons depuis notre gross profit, avec gross profit, retire total expenses, nous gagnons ce qu'on appelle the operating profit ou bien the net profit ou bien the net benefit, bénéfice net en français de l'entreprise. Une dépense qui nous est couramment dans l'entreprise, c'est electricity bill, telephone bill, gross profit, etc. Et puis, nous tivine, nos classification of cost, nous utilisons trois costs. Le cost, nous classifions en trois. The fixed cost, variable cost et semi-variable cost. Fixed cost, comme le nom indique nous, c'est une charge qui fixe. C'est fixed expenses, par exemple rent. Par exemple, rent, transport expenses, insurance, interest payment, c'est une dépense qui fixe. Qui dit pas dépend le combien nous produisons, it's independent of the amount of output. Tandis que the variable cost is dependent on the amount of output. The number of units of raw material will reduce will depend on the amount of output. Donc, il varie proportionately with the production. Tandis que fixed cost independent of the production, même s'il n'est pas commence à produire, donc automatiquement nous vous en couvrir sa dépense qui est fixe, comme on dit, rent, insurance, etc. Maintenant, entre les deux, nous avons ce qu'on appelle le semi-variable cost ou bien nous appelons le semi-fixed cost. Donc, il y a les deux éléments, et dans l'élément de fixe et dans l'élément de variable. Par exemple, nous prenons the salary of the car salesperson. Quand nous avons les deux, il y a une basic salary. Donc, il y a une base qui reste fixe tous les mois. Et en plus, il y a une commission sur le nombre de voitures qu'il y vendait. Donc, s'il y a 5% de commission dans chaque voiture qu'il y vendait, plus il y vendait, plus il y a une commission. Donc, ça, c'est l'élément de variable. Par contre, le fixe, c'est le basic wage. Nous étions en termes de graphe, donc fixe, horizontal, variable, il montait parce qu'au fur et à mesure qu'il ne produit plus beaucoup de variable cost augmentait. Et puis, nous ajoutons le fixe et le variable cost, nous gagnons ce qu'on appelle le total cost. Ensuite, le semi-variable cost, comme on dit, est dans les deux éléments, donc l'élément de variable et fixe. Donc, il ne commence pas à zéro ici.
Je n'ai pas commencé à zéro ici, là. Il commence ici parce que ça, c'est l'élément de fixe et ensuite il monte parce qu'au fur et à mesure que nous produisons plus, nous faisons courir plus beaucoup de variable costs. Nous avons un format de income statement, un format typique d'income statement. Nous commençons par sales, turnover. Donc, la vente que nous faisons, nous retirons the cost of sales. Comment nous calculons le cost of sales? C'est nous prenons opening stock, nous retirons purchases, nous add purchases, nous retirons closing stock, nous prenons sales, nous retirons the cost of sales, nous gagnons le gross profit. Maintenant, ce n'est pas ça pour profit que l'entreprise a gagné. Bien sûr, l'entreprise a encouru plusieurs bandes de dépenses, entre autres wages, insurance rates, rents, téléphone, etc. La liste, bien sûr, is not exhaustive. Pour nous arrive à nos net profit. Et puis, là, nous retire taxes, dividendes dans le cas de bande compagnie. Donc, là, pour nous capables, après, arrive ce qu'on appelle the retained profit, qui est le carry forward. Nous avons le concept de dépréciation qui nous include dans income in statement, la dépréciation ici. C'est quoi la dépréciation? Qui fait nos propres provisions pour dépréciation? Comment nous calculons la dépréciation? Donc, dépréciation, c'est un loss in the cost of fixed asset. Donc, because of, par exemple, effects of time, wear and tear. Donc, nous avons mis un chiffre pour dépréciation parce que, par exemple, si nous servons nos moteurs véhicules pendant 10 ans, donc la valeur de moteur véhicule ou bien machinery, les diminue chaque année. Donc, le fixed asset, il déprécie avec le temps. La valeur diminue avec le temps. C'est ça, diminution dans la valeur qui nous appelle dépréciation. Alors, internal causes, c'est wear and tear, disuse, maintenance. Mais external causes, c'est obsolescence. C'est la fixed asset that we are using, c'est no longer in use, c'est obsolete, with a reflection of time. Donc, nous allons mettre une valeur de dépréciation. Maintenant, il y a plusieurs méthodes qui nous sont capables de servir pour record dépréciation. Nous avons seulement deux, et il y a plusieurs méthodes. Nous avons la straight line method et puis ce qu'on appelle la reducing balance method. La straight line method, c'est clair, nous allons prendre le cost of the fixed asset, nous retirons residual value. Par exemple, si nous avons acheté un asset, un motor vehicle en 2010, en 2020, ce valeur, fait que nous avons pour 1 million, à la fin de 2020, ce residual value, c'est 100 000. Donc, le value of the asset en 2020, c'est 900 000. Nous divisons par ce useful life qui est 10 ans. Donc, nous gagnons 90 000 roupies, dépréciation qui nous amène dans le income statement as an expense. Par contre, dans reducing balance method, ce qui nous fait la valeur de dépréciation diminuer. Parce qu'il nous calcule la dépréciation en the depreciated value of the fixed asset. Qui nous comprend pas depreciated value of the fixed asset? Donc, à la fin de l'année, nous prenons nos cost of the asset, nous retirons la dépréciation pour l'année. Pour que l'année prochaine, nous calculons dépréciation on the depreciated value of the asset. Donc, automatiquement, quand straight line method, the value of depreciation il reste fixe tout au long de différents, dans toutes les années. Par contre, the reducing balance method, la valeur des dépréciations il baisse avec le temps. Alors, c'est ça qui nous fait la semaine dernière, un brief recap. Avant, nous entamons maintenant la deuxième financial statement qui nous appelle the statement of financial position. Alors, statement of financial position, qui nous peut guetter là-dedans? C'est nous pour définir c'est quoi? L'importance et le format qui nous besoin pour préparer le statement of financial position. Alors, statement of financial position, il est aussi connu comme bilan en français, balance sheet, qui nous appelle souvent. Alors, il contient trois éléments très importants. Il contient ce qu'il nous appelle the assets, l'actif, liabilities, les passifs, et equity, donc le capital of the owner, of the entrepreneur. Donc, the asset, c'est les ressources, the resources of the organization. Liabilities, c'est ben obligation, c'est ben dette de l'entreprise. Et puis, equity, c'est the ownership. What the owner brings in the enterprise, c'est ça, the ownership. Donc, en bref, il y en a trois éléments, the asset, liabilities and equity. Alors, qui fait à nous préparer un statement of financial position? Rappelle bien, dans l'income statement, nous sommes préparés pour le compte the performance of the enterprise. Donc, pour le compte, est-ce qu'il gagne profit ou bien il gagne loss. Par contre, dans le statement of financial position, c'est-à-dire le balance sheet, nous préparons ça pour compte the financial status of the enterprise. Comment nous compte sa financial position or the financial status? C'est à travers the asset, liabilities and the owner's equity. OK? Donc, le statement of financial position, qu'il y fait? Il permet de nous get the financial health of the enterprise. OK?
Alors, aide-nous comme détermine, par exemple, la liquidity risk, quatre risques, donc liquidity risk, the financial risk, the credit risk, and the business risk of an enterprise. Nous vous guettons tout cela en détail dans mon slide qui peut suivre. Donc, ce qui est très important à retenir de cette slide-là, donc statement of financial position, nous prépare pour comme the financial health, the financial position of the enterprise à travers l'asset, liabilities and equity. Qui ne comprend pas liquidity risk? Donc, liquidity risk, comment le mot même dit nous, il y a la liquidité de l'entreprise, c'est-à-dire the cash, right? The cash de l'entreprise. À travers le statement of financial position, nous capables de prendre une décision ou guetter est-ce qui, à travers le chiffre qui est là dans l'information qui nous divulgue dans le statement of financial position, nous capables de guetter est-ce qui l'entreprise est dans un problème de liquidité ou pas. Et à partir de là, nous capables de prendre une décision qui s'impose. Par exemple, est-ce qui nous guetter est-ce qui est un mismatch on the funding, on the inflows and the outflows. Nous guetter par exemple est-ce qui est un market constraint. And converting assets into cash or other sources of funds, ou bien ban contingent liquidity events. Donc, à travers nous faire une lecture de le statement of financial position, nous capables trouve tout ça ban éléments de réponse à ça, par exemple funding mismatch, market constraint et other liquidity events. Par contre, the financial risk, c'est quoi? C'est par exemple nous guetter est-ce qui the probability of loss inherent in financial method. Est-ce qu'il nous paye un return dans nos investissements? Est-ce qu'il nous donne un retour de l'investissement qu'il nous fait? Donc, tout le temps, nous commençons une entreprise, nous embarquons l'aventure qui nous crée une entreprise. Donc, bien sûr, il y a un risque, c'est le risque financier. Nous investissons l'argent, mais bien sûr, le return on investment, ce n'est pas garanti. Il y a tout le temps ce qu'il nous appelle the financial risk. Okay? Pas nécessairement, nous, at the end of the day, nous sortir avec un profit. Le business risk, c'est la même chose. Donc, là, nous embarquons dans un business. Évidemment, nous avons le risk of nous capables de gagner profit, nous capables de gagner loss. Ce n'est pas une formule qui nous dit, là, nous investissons dans l'entreprise. Évidemment, à la fin de l'année, nous gagnons profit. Donc, le business risk, c'est quoi? Donc, plus nous investissons, plus beaucoup. Moi, de vous trouver dans sa slide-là. How much of risk are you willing to take? C'est la grande question qui un entrepreneur, c'est un potential entrepreneur, business pose-lui. Les liens envie de set up an enterprise, les liens aventurely pour commencer une entreprise. Est-ce que le montant qu'il peut investir, les liens comparé en contrepartie avec l'élément de risque associé, c'est ça qui peut déterminer est-ce qu'il peut go forward avec l'enterprise ou non. Comment vous trouvez le diagramme devant, vous trouvez la première à gauche, et dans le low risk, parce qu'il nous investit à ticket. Par contre, il nous investit une grosse somme d'argent, il y a un gros risque qu'il nous peut prendre. Donc, nous bizarre balance les deux. Get l'investissement avec le risque qui est associé avec ça. Une affaire qui est très importante, c'est qu'il est sûr, c'est qu'il a nous commence un business, bien sûr, dans n'importe quel type de business nous peut faire, dans n'importe quelle envergure, énorme élément de risque. Si nous peut investir beaucoup d'argent, évidemment, le risque est plus. Si nous peut investir moins, évidemment, le risque est plus petit. Credit risk, donc bien sûr, nous commençons un business, nous avons une transaction qui nous fait en crédit. Par exemple, credit purchases, credit sales. Nous avons également une transaction qui nous fait en cash, qui nous trouvait à l'aide dans le statement of cash flow. What is the credit risk? Ça veut dire the risk of losing, par exemple, si nous prêtons l'argent qui gagne. Est-ce qu'il y a un risque qui nous perdit le capital ou bien nous perdit tout l'argent qui nous prêtait à sa personne? Par exemple, the person who are lending the money, si he goes bankrupt, donc il n'est pas capable de payer back our capital et bien sûr avec l'intérêt. Donc toujours il y a un élément de risque qui est associé à nous prêter quelqu'un de l'argent. Maintenant, combien de risques est-ce? Comment nous pouvons juger le risque qui involve? Donc bien sûr, c'est il dépend law and assessment de sa personne qui prend l'argent prêté avec nous, of the borrower. À nous guetter un petit coup maintenant, le classification, qui ban élément qui rentre dans statement of financial position, ça veut dire the classification of components. Comme on disait au départ dans slide précédent, nous avons trois éléments importants qui nous classifient dans statement of financial position, c'est ban assets, c'est ban liabilities, et puis c'est equity. À nous guetter le premier, c'est assets. En français, qui nous appelle actif. C'est quoi un asset?
Alors, an asset is something that the entity owns. Donc, en français, on appelle ça le patrimoine de l'entreprise. Donc, everything that the company owns is the asset of the enterprise. Maintenant, le asset, nous sommes capables de classifier les en différentes rubriques. Nous avons ce qu'ils appellent the non-current asset, qu'ils appellent communément the fixed assets. En français, nous appelons ça immobilisation corporelle. Et puis, nous pouvons avoir une current asset. Maintenant, quelle différence est-ce entre non-current asset et puis current asset? Non-current asset, c'est les ressources qui nous achetent, qui nous donnent à l'entreprise, qui se usefulness est allé de plus de 12 mois. Par exemple, si nous achetons un équipement, un motor vehicle, the use of this fixed asset, équipement motor vehicle, ne pas servir uniquement pour un an, est capable d'étaler dans plusieurs années. Donc, the fixed asset, the non-current asset or fixed asset, c'est ban assets qui nous achetons maintenant, mais qui nous servent dans la durée, ne pas servir uniquement pour un an. Les exemples sont plant and equipment, motor vehicles, etc. Par contre, ban current asset, c'est un asset qui nous servit pendant the next 12 months, on dit for the next year. Et un current asset qui nous est non, c'est cash, okay, cash or bank balance, account receivable, prepaid expenses, inventory, stock, qui nous acheté pour the next 12 months. Donc en bref, la différence entre fixed asset avec current asset, donc non-current asset avec current asset, c'est un asset qui nous servit for more than 1 year, qui était the non-current asset. Par contre, the current asset, c'est une servilité pour the next 12 months, that is, the next year. Nous allons classifier également ma non-current asset in tout ce qu'on appelle the tangible non-current asset et puis the intangible non-current asset. Mais le mot même indique nous tangible, ça veut dire un asset qui nous est capable de trouver, nous allons toucher. Donc c'est tangible, par exemple, plant and machinery, equipment, building, motor vehicle, long-term notes receivable. Ça, c'est, la liste est bien sûr longue. Et puis, the intangible non-current asset, c'est ban qui ne pas qu'à trouver, ne pas qu'à toucher, par exemple, un long-term investment, le goodwill, la réputation de l'entreprise, the trademark, the patent, c'est ban intangible current asset. Alors, le premier, nous record-li at cost retire dépréciation, comme on dit, tout ça, ban asset-là, les PAD valeur au cours des années, donc machinery, si nous n'installions prix, bien sûr, l'année prochaine, il n'est pas pour le même cost, il peut diminuer par dépréciation. Tandis que intangible asset, c'est le même valeur qu'il nous mettait dans year one, year two, year three. La valeur reste la même chose. Pareil. Alors, nous avons classification un petit peu plus en détail of un élément qui est dans la financial position. Comment nous classifier? Qui fait nous besoin mettre un item premier et l'autre item après? Et classify statement of financial position separate both asset and liability into those current and non-current. Ça nous mettait tel là. Maintenant, the assets are usually classified according to the liquidity. Ça veut dire man assets qui nous capable convert easily into cash, les premiers, et puis ensuite nous mettons un asset qui can be converted into cash avec un peu de difficulté. Donc automatiquement, sous sa rubrique de current assets, nous prenons par exemple cash en premier, parce que ça c'est l'argent qui est déjà disponible dans l'entreprise. Et puis, nous prenons la banque, donc l'argent qui est disponible à la banque. Et puis, nous pouvons gagner les autres, par exemple, stock, etc. Donc, stock, bien sûr, nous devons vendre pour nous récupérer l'argent. Donc, ce n'est pas liquid money available. Donc, nous classifions les d'après liquidité. The assets which can be converted into cash most quickly is the first one to be classified. Et puis nous avons les autres assets qui nous capables de convertir into cash avec un peu moins de difficulté, avec plus de difficulté et il prend un peu plus le temps. Par contre, ben, liabilities, nous classifions on the basis of urgency of repayment. Si nous avons pour payer un créditeur, par exemple, dans 6 prochains mois, donc il peut bien sûr ce premier item qui nous prenons. Si nous avons ben loans, ben short-term loans, c'est pour venir après. Ben long-term loans, c'est pour venir après. Donc, nous pouvons classifier d'après the urgency of payment. Assets, nous classifions par ordre de liquidité. Par contre, liabilities, nous classifions par ordre de urgency of repayment. Alors, il veut dire la même chose. Donc, current assets, c'est 12 months. Non-current assets, c'est more than 12 months. Maintenant, the effect on the financial transaction, the statement of financial position. Comment le revenu qui nous gagnait dans income statement y affecté le statement of financial position. Si nous allons un petit peu, ce qu'il nous fait la semaine dernière, ce qu'il nous fait un recap au départ, nous disons, nous préparons un income statement
dans le but de gagner net profit. Et comment on gagne ce net profit là? C'est nous prendre revenue, nous retirer une dépense. Right? Donc, faire comme on dit l'entreprise, il génère un profit. Donc, ce profit-là, il augmente the owner's equity. Donc, owner's equity, c'est capital. Faire comme on dit l'entrepreneur, il amène 100 000 roupies as capital in the enterprise. Et au cours de l'année, à la fin de première année, il génère un profit de 10 000 roupies. Donc, dorénavant, il n'a seulement 100 000 roupies as capital. Il y en a ce 100 000 roupies plus le net profit. Donc, ce capital qu'il y a maintenant, c'est 110 000 roupies. Donc, bien sûr, s'il gagne profit, il augmente ce capital, il increase the owner's equity. Dans le cas contraire, s'il gagne loss, il peut decrease the owner's capital. Donc, c'est ça l'effet qui, le retombé de income statement est non dans le statement of financial position. Donc, il augmente le capital de l'entrepreneur, il augmente l'equity quand il gagne profit. Mais quand il fait une perte, donc bien sûr, il diminue the owner's equity or the owner's capital. Nous avons maintenant les liabilities, comme on appelle les en français, c'est les passifs. Donc, the assets are what the company owns. Tandis que the liabilities is what the company owes, qu'il y doit. Donc là-bas, c'est qu'il y est non, c'est qu'il y possédé, le patrimoine de l'entreprise, comme on appelait. Liabilities, par contre, c'est ce que la compagnie doit, qui besoin payer au bout d'un certain temps. Pareil comme asset, nous capables casse liabilities, classifier liabilities en plusieurs rubriques. Donc, premier, c'est une short-term liabilities. En français, nous appelons une dette à court terme. Short-term, comme le mot indique nous. Donc, ce qu'il y en a pour payer dans un mois, deux mois, trois mois. Right? Within the 12 months of the balancing date. Alors, nous avons un short-term loans, nous avons une dépense qui accrue, qui nous besoin payer, qui nous pas encore payer. Et nous avons ce qu'on appelle une long-term liabilities. C'est une dette à long terme. Donc, qui n'a pas besoin de payer durant l'année, qui nous besoin de payer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, une dette qui nous besoin de payer au bout d'un certain temps et not within the 12 months. OK? Donc, ça, c'est short-term liabilities et long-term liabilities. Maintenant, comment nous classifier les? Donc, bien sûr, nous avons current liabilities, une liabilities qui nous besoin de payer dans 12 mois et non-current liabilities qui nous besoin de payer. Donc, pas dans ces 12 mois qui peut venir là, mais dans next year, next two years, next three years, etc. Alors, comment nous classifier le loan dans le balance sheet, dans le bilan? C'est nous allons d'après ce que nous appelons the short-term loan avec the long-term loan. Donc, le temps, le montant avec le temps qui nous besoin prend pour payer sa loan là. Donc, un short-term loan, c'est nous classifier dans current liability. Qui fait? Parce que c'est une dette qui nous besoin de payer within the 12 coming month, within the 12 months qui peut venir. Par contre, une long-term loan nous prend lit pour 20 ans, pour 25 ans. Bon, bien sûr, ma motivation derrière prendre short-term loan et long-term loans est différente. Ma short-term loan nous prend lit pour financer ban current day-to-day running of the enterprise. Right? Pour payer ma dépense, par exemple. Si nous payons un cash available in hand, donc bien sûr, nous prenons loan. C'est pour ban paiement courant, right? Ban current liability. Tandis qu'un long term loan, souvent de fois, nous prend lit, par exemple, nous payons mécanisme de l'entreprise, nous n'avons pour agrandir le business, nous n'avons pour rendre un bâtiment, nous n'avons pour acheter machinerie, nous n'avons pour acheter un véhicule, acheter de man fixed asset. Donc, ça, c'est nous prend le montant de loan, c'est élevé, et the repayment of the loan, c'est not within the 12 months, c'est dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. On nous vient maintenant on the equity qui nous appelle the capital of the enterprise. C'est que l'entrepreneur amène dans l'entreprise. C'est que l'entrepreneur invest in the enterprise. Donc, d'une cause assets, d'une cause liabilities, le troisième élément qui est important à nous faire le balance sheet, c'est the equity, communément connu comme le capital, ce que l'entrepreneur amène dans l'entreprise. Donc, une formule que nous trouvons en bas qui est important nous en considération. C'est equity, le capital de l'entreprise, c'est asset, retire liabilities. Donc, tout ce que l'entreprise own, retire tout ce que la company, the enterprise owes. Donc, ce qu'il y est non avec ce qu'il y doit. Donc, la différence entre ces deux-là, c'est le capital de l'entrepreneur, l'equity. Nous avons le format. Nous avons deux formats qui nous servent. Donc, autrefois, nous avons le T-form. Nous get le T-form d'abord et puis nous pouvons get le format qui nous servit de nos jours.
Donc le T-form, donc à the left-hand corner, nous avons les assets. On the right-hand corner, nous avons ce qu'on appelle the liabilities. Et tout un balance sheet is prepared as at a certain date. Tandis que an income statement is prepared for the whole year, for the year ended, 2019 par exemple. Tandis que the statement of financial position is prepared as at a certain date. Donc as at 30th June 2005, voilà l'état de l'entreprise, the status of the enterprise. Voilà sur les assets, voilà sur les liabilities. Alors, les current assets, moi, je te dis, nous devons classifier d'après l'ordre de liquidité, donc cash at bank d'abord, et puis debtors, et puis stock. Et nous ajoutons le tout, nous avons the total of current assets. Et puis, nous avons les non-current assets, qui nous appellent les fixed assets. Également, ici, c'est par ordre de liquidité, donc office equipment, vehicle. Là, nous ajoutons nos current assets avec nos non-current assets, nous gagnons le total assets qui est égal à 50 000 roupies. En contrepartie, nous avons nos current liabilities. Donc, current liabilities, ici, nous classifions par l'ordre de repayment. Donc, urgency of repayment. The creditors, nous devons payer within the current year, donc un mois, deux mois, un an, deux ans. Et puis, nous avons un loan peut-être qui nous devons payer dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, etc. Nous avons un short-term loan, nous avons un long-term loan. Ça, loan ici qui nous peut causer des current liabilities, évidemment, c'est un short-term loan qui nous a payé peut-être dans 2 ans, 3 ans. Ce qui nous est dans des current liabilities, non-current liabilities, c'est un long-term loan qui nous a payé dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, nous prenons nos current liabilities, nous ajoutons avec non-current liabilities, et puis the owner's equity, c'est-à-dire le capital que l'entrepreneur Wilson il amène à l'entreprise. Et nous prenons current liabilities, nous ajoutons avec nos non-current liabilities plus the owner's equity, nous arrivons à 50 000 roupies. Donc, vous trouvez the total of the left-hand corner and the right-hand corner, c'est pareil. C'est pourquoi nous appelons les balance sheet. Donc, at the end of the day, the statement of financial position est balancé. Donc, the total of assets plus the total of liabilities and equity divine la même chose. Tell me, vous get the rationale qui fait the current asset avec le total à gauche et le total à droite qui fait les bizarres balancés, t'allais nous get the rational. Ça, c'est the T-form of the statement of financial position. Asset, liabilities dans deux coins séparés, deux côtés différents. Par contre, nous get the classified statement of financial position, the narrative form qui nous servit de nos jours. Je peux trouver l'INCEL, donc nous avons l'asset, et puis au bas, nous avons liabilities. Si nous comparons avec le T-form, vous pouvez trouver à gauche, nous avons current assets, à droite, nous avons liabilities. Par contre, nous avons on top the assets et puis au bas, les liabilities. C'est exactement la même chose, current assets, cash at bank, debtors, etc. Non-current assets, office equipment, vehicle, total assets, etc. Right? Total assets, c'est plutôt 50 000 roupies, pareil que nous avons trouvé ici 50 000 roupies. Donc, seulement le format est différent, le principe pareil. Et puis, nous avons ma non-current liabilities et la current liabilities, donc creditors, loans, etc. Et puis, nous avons owners of capital. Donc, là, nous ajoutons tout, nous gagnons 50 000. Donc, pareil, comme on utilise dans le T-form, donc, les balancer par 50 000, 50 000. Ici aussi, donc, nous avons 50 000 de total assets. Et puis, nous avons le total of liabilities and equity, which is 50 000. Donc, c'est ça, un balance sheet. Et le balance sheet, comme on dit, qui fait à nous préparer l'importance du balance sheet, c'est montrer the financial status, the financial position of an enterprise as at a certain date. Tandis qu'ils ont un income statement, si nous comparons, c'est de montrer nous the performance of the enterprise. Est-ce que l'entreprise fait un profit? Est-ce qu'il fait un loss? C'est ça la finalité d'un income statement. Par contre, statement of financial position, de montrer nous the status of the enterprise. Nous disons que the total assets besoin que total liabilities qui fait ça. Alors maintenant nous get the rational derrière ça. The balance sheet is structured in a manner that total asset of an entity equal the sum of liabilities and equity. Like, nous trouvons que total assets 50 000 est égal à sum total of liabilities plus the owner's equity, donc 50 000. Qui fait ça? Right, qui fait, nous disons par exemple, le balance sheet bizarre balancé. Et qui can and the levy now compose form 5 ou HSIS, non, il y a un problème au balance sheet pas de balancer par 50 000, par 10 000, etc. Donc, il y a un problème quelque part. Il y a un item qui il omet, qui pas de prendre en considération, c'est pourquoi pas balancer. Donc, normalement, si nous prenons en considération toutes les transactions, un balance sheet supposé balancer, c'est pourquoi nous pouvons dire qui est rational derrière ça. Donc, qui est rational derrière ça?
asset of an entity may be financed by internal sources. Internal source, c'est dans le cas d'une compagnie, c'est le share capital. Dans le cas d'un entrepreneur, un sole trader, du coup, le capital qu'il a apporté, et puis le profit. Et il est capable de financer également, si nous pas suffisamment de capital et profit, donc il est capable de financer par des external sources. Donc, nous sommes capables de prendre loan, nous sommes capables d'acheter un crédit, nous payer après, que nous appelons trade creditors. Donc, c'est ça la façon que nous sommes capables de financer l'entreprise. Maintenant, qui nous service avec cet argent-là? Nous achetons ce que nous appelons un asset de l'entreprise. Donc, si nous prenons le capital qui nous a apporté et nous ajoutons avec loan, etc., nous servons pour acheter l'asset de l'entreprise. Donc, ce qui nous est là comme capital, nous servons pour l'asset de l'entreprise. Donc, automatiquement, les coûts bizarres balancés. Donc, faites-moi dire, nous avons un capital, nous avons 100 000 et nous avons des assets of enterprise 75 000. Donc, bien sûr, nous avons un item de 25 000 à cash. Ou bien, si nous mettons dans la banque, nous prenons un item à bank 25 000. Donc, automatiquement, 100 000 of the capital qui nous amène, il faut balancer avec asset de 75 000 plus cash au bank de 25 000 qui nous coûte donc 100 000. Donc, c'est ça le rationnel derrière un balance sheet. Donc, tout le temps, the asset side and the liability side, bizarre balancé parce que le capital qui nous amène, nous servit pour acheter un asset et l'argent qui lui reste, donc bien sûr, il reste comme cash au bank dans l'entreprise. Alors, avant nous passe au statement of cash flow. Donc, vous faites un petit résumé dans statement of financial position. Donc, statement of financial position, juste pour rappeler, c'est un statement qui est important pour nous comme the financial status of the enterprise, the financial position. Il y a trois rubriques là-dedans qui sont importantes, the assets, the liabilities and the equity. Et nous mettons at the end of the day, the assets and the liabilities plus equity, bizarre balancé, et nous get relational business. You get le format, the T form and the new form, mais les deux c'est la même chose. Donc côté là c'est la N côté the left hand side, the right hand side. Par contre dans the new format c'est N en balance. Ok? Donc finalement c'est ça N statement of financial position. Bon, quand il n'est pas évident suivre continuellement donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, donc nous finis cause of statement of financial position. Bon, pas juste un petit vidéo, juste pour relaxer un petit peu, dégoûter un petit peu, avant nous entamer la dernière partie de sa session d'aujourd'hui là, pour nous cause the statement of cash flow. Donc, nous passons une vidéo d'un entrepreneur à Maurice qui ne réussit, qui commence à investir en quelques moments de cela, et qui maintenant est un entrepreneur connu de la région. Pour les autres apprécier. Comme le nom Jaou, on est spécialisé dans l'événement, mariage, fête corporate et aussi dans la fonction gouvernement. Plus de 25 ans d'ici là, mon parent avec 2-3 employés qui commencent à business là. Et aujourd'hui, moi et mon frère, nous venons agrandir la compagnie et nous avons plus que 25 du monde. Bureau à l'époque, c'est juste de la chambre, mais à ce moment, nous avons un grand bureau avec des showrooms, des stores et nous avons une flotte de 20 véhicules. Vu que moi, je fais mon étude en graphic design, ça permet de moi d'être plus créatif et réaliser mon rêve et mon souhait pour mon client. Et nous, chez Fidjilen, nous créons une masterpiece pour chaque client. Ici, chez Fidjilen Event, nous donnons un service complet, tel que marquise, bédouin teinte, table et chaise, élimination, toilette mobile VIP, créée localement, générateur, climatiseur et une décoration personnalisée. Création des décos et c'est surtout un travail d'équipe commencé par l'administration suite à une demande du client. Moi côté création et design, mon frère Nadim qui occupe côté opération et technique. Maintenant pour réaliser mon déco là, nous travaillons ensemble avec mon ouvrier, électricien, menuiserie, soudeur, plombier, fleuriste et tant d'autres. Côté innovation pour la compagnie, je vais travailler sur un projet pour faire un multi-purpose commercial center, soit pour avoir plus de international corporate events et faire Maurice Vinen destination wedding. Exemple, Atierman Big Fat Wedding international. Et aussi, nous vais travailler pour faire un website qui peut spécialiser pour promouvoir ce service international.
Bien sûr, avec tout ça, mon innovation-là, ça pour créer l'emploi et pour grandir l'entreprise. FDI pour Edouard Maurice et aussi beaucoup d'autres personnes pour qu'elles travaillent indirectement. Fidilan concentre beaucoup le côté social. Par exemple, le sponsor, mon artiste local, mon don du sang, mon activité culturelle et religieuse. Et nous-mêmes, nous venons à l'aide de nos voisins. Et aussi, il y a un jeune étudiant local et international qui vient faire un stage chez Fidilan. OK, donc, j'ai eu l'occasion de trouver un entrepreneur donc, mauricien qui est Fujilène, qui a démarré petit, quelques années de cela. Maintenant, c'est un full-fledged entrepreneur qui a des chiffres d'affaires très intéressants et qui continue de progresser dans le domaine qui vient investir. Maintenant, nous pouvons entamer la deuxième et dernière partie de cette session-là. Nous pouvons causer le troisième financial statement. Donc, nous causons au départ l'income statement. Nous causons le statement of financial position, le balance sheet, donc au début de sa session-là. Nous causons maintenant le troisième statement qui est également important, qui vous pensez est important pour un entrepreneur potentiel qui pourrait commencer une entreprise incessamment. Donc, le statement of cash flow. Alors, le statement of cash flow, c'est un requirement qui the International Accounting Standard IAS 7 demande nous besoin produire dans une série de comptes qui une entreprise besoin produire. Donc besoin produire bien sûr the income statement, besoin produire the statement of financial position et en dernier lieu the statement of cash flow. Comme le nom indique nous, c'est un statement qui contient the cash inflows and the cash outflow. Donc, nous prenons seulement les cash transactions en considération lorsque nous préparons le statement of cash flow. Right. Alors, si nous comparons avec le statement of financial position, si nous comparons avec le statement income statement, que nous observons ce qu'on appelle the accrual concept, que nous prenons the revenue, que ce soit cash, que ce soit crédit, nous prenons les as revenue. Donc, both cash and credit transactions are taken into account. Là, nous préparons the statement of financial position. Là, nous préparons the income statement. Par contre, the statement of cash flow nous prend uniquement the cash transaction en considération, ce qu'on appelle la liquidité de l'entreprise, the cash movement dans l'entreprise, the cash inflows dans l'argent qui est rentré et puis l'argent qui est sorti. Donc, nous mettons l'emphase uniquement et uniquement lors cash transactions. À nous, qu'est-ce qu'on peut faire? The statement of cash flow, c'est un des financial statements qui est le plus important et c'est pourquoi International Accounting Standards 7 demande-nous qui nous besoin prépare le statement of cash flow. Alors, cash est très important in the economic life of a business. Si nous prenons à l'échelle personnelle, par exemple, and the cash is very important. Et qui est capable d'avoir un asset, right? Mais également besoin d'un liquid money. Right? Il faut dire que demain, s'il y a un besoin de l'argent, il n'est pas capable, peut-être qu'il peut envie de vendre son current asset, son asset, mais il n'est pas nécessairement capable de vendre tout de suite. Donc, l'élément de cash est extrêmement important, que ce soit pour une entreprise ou bien pour une personne. Donc, a firm needs cash pour faire un paiement to the suppliers, pour run the day-to-day expenses for the day-to-day running of the enterprise, pour payer mon salaire, pour payer mon wages, interest, dividend, etc. Donc, tellement l'élément de cash est important, c'est pourquoi qu'il nous dit « The cash is like the blood in the human body. » Donc, pareil que l'écho n'est pas capable de fonctionner sans 10 ans. Donc, évidemment, l'entreprise n'est pas capable de fonctionner sans cash, sans suffisamment de cash. Si je fais une petite parenthèse, par exemple, actuellement, nous passons le problème de COVID-19. Donc, le COVID-19 il fait beaucoup de dégâts à Maurice. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont souffert.
Et dans beaucoup d'entreprises, ils gagnent un problème de cash. Ce paiement suffisamment cash inflow. Ce peut suffer from cash shortages. Parce qu'il y fait. Par exemple, c'est un magasin ou bien l'entreprise, il y en a pour payer location, il y en a pour payer rent. Mais par contre, pendant ces 3 mois de confinement, l'entreprise pas de travail, veut dire pas de générer l'argent. Donc, d'une part, paye cash inflow in the business, mais d'autre part, il besoin payer rent. Il besoin payer l'électricité, il besoin payer de l'eau, il besoin payer le téléphone, il besoin payer au moins the basic wages de ce bon employé. Donc, il y a ce qu'on appelle une série de dépenses qu'il besoin faire, right? Mais en contrepartie, l'IPE n'a revenu, l'IPE n'a cash qui rentre dans l'entreprise. Donc, il y a une déficience de l'argent. C'est pourquoi vous pouvez trouver dans beaucoup d'entreprises et un recours, par exemple, à la banque commerciale, à DBM et dans le gouvernement, il vient avec beaucoup de schemes, avec des policies pour capable aider sa entreprise là, capable de survivre dans sa période de difficulté là, pour capable assurer qu'ils ont un cash flow, qu'ils ont suffisamment de liquidité pour être capable de solvente, pour être capable de payer ce bon engagement, pour être capable de payer les rent, pour être capable de payer les salaires et les autres dépenses. Donc, pour dire eux que l'élément de cash, c'est extrêmement important. C'est pourquoi qu'ils nous comparent, par exemple, à the blood in the human body. Donc, il est très important qu'il nous ait suffisamment adequate balance of cash in the enterprise. Alors, cash flow statement, il provide information low cash receipts, c'est-à-dire, on appelle ça man inflows, et puis cash outflows, donc man l'argent qui quitte l'entreprise qu'il y allait. This statement depicting changes in the cash position from one period to another. Si nous prenons statement of cash flow, par exemple, en 2019, nous comparons avec statement of cash flow en 2020, donc nous pouvons trouver la différence entre deux chiffres. Et la différence entre deux chiffres pour montrer nous, est-ce que the cash position of the entreprise est améliorée ou bien détériorée? Est-ce qu'il ne gagne plus beaucoup cash inflow? Est-ce qu'il ne gagne plus beaucoup cash outflow? Donc la différence entre deux chiffres de 2 années, vous capable de dire nous les indications, est-ce que la company is well off or worse off en ce qu'il s'agit de liquidité, c'est-à-dire cash. Nous prenons l'exemple qui nous est en bas là. For example, en 31 décembre 2012, l'entreprise a une balance de cash de 20 000. Par contre, dans 31 décembre 2013, un an après, donc il y a une cash balance de 30 000. Donc nous pouvons trouver qu'il y a une évolution qui est arrivée dans le cash de liquidité de l'entreprise. Donc, il évolue de 20 000 à 30 000. Donc, il y en a plus de liquidité. Donc, il n'y a plus beaucoup de cash qui vient dans l'entreprise par 10 000. Donc, la liquidité de l'entreprise, l'information importante qui nous sera retirée, là, nous compare ça à des statements of cash flow là, c'est que la liquidité de l'entreprise, il sortit 20 000 à 30 000. Donc, il n'y a plus beaucoup de cash dans l'entreprise actuellement qui est un très bon signe. Donc, nous n'avons plus beaucoup d'argent à nos dispositions. Donc, bien sûr, nous n'avons plus beaucoup d'inflow qui nous n'avons pas d'inflow. Et ça, mon information est extrêmement utile, extrêmement pertinent pour nous prendre une décision au niveau de l'entreprise. Si nous avons une déficience de cash, par exemple, si c'était l'inverse, c'est en 2013, nous tenons 20 000 et en 2012, nous tenons 30 000. Donc, le cash flow, le cash amount dans l'entreprise, il peut diminuer par 10 000. Et ça, l'INEF pour montrer nous que l'entreprise a un problème de cash. Bien sûr, l'IPositif, il y a un cash balance qui est positif, 20 000 bien sûr, ce n'est pas zéro, mais quand même, il diminue, sorti de 30 000 à 20 000. Donc, l'INEF ground pour que le management soit concerné par cette situation-là. Si la tendance est maintenue, donc bien sûr, dans le futur, il y a un cash problems, il y a un problème de liquidité. Alors, the purpose of the statement, comme on dit, the main purpose of the statement, c'est pour donner nous l'information de cash receipts and cash payments. Bon, revenons à ce qui m'a dit dans le slide précédent, nous pouvons seulement une transaction qui involve cash. Payment credit transaction, pas prendre en considération dans le statement of cash flow. Alors, the statement of cash flow, il donne nous l'information de ces 3 questions, il donne nous réponse à ces 3 questions-là. Where did the cash come from? Nous prenons the cash inflows. Côté sorti. Qui est une source de l'argent? Qui est une source de liquidité qui rentre dans l'entreprise? Qui façon qui nous servit à l'argent là? Donc, qui est un item nous dépense à l'argent là? Donc, ça, c'est outflow. Le premier, c'est inflow. Et puis, la différence entre les deux.
Donc, cash qui est rentré avec cash qui est sorti, donc cash inflow and the cash outflow, the difference between the cash inflow and the cash outflow, bien sûr, il donne nous la balance, the cash balance dans l'entreprise as at a certain date. Et comme on dit, ça, l'information-là, est extrêmement pertinent dans l'entreprise pour être capable de prendre bonne décision. Si vous trouvez le cash inflow, le moins qu'il y a de cash outflow, donc il y a un problème de liquidité. Par contre, l'inverse, si le cash outflow est moins qu'il y a de cash inflow, donc il y a enough cash balance available dans l'entreprise, et ça, c'est un très bon signe pour l'entreprise. Why cash flow analysis? Donc, it's an important analytical tool for creditors. Qui fait l'important un outil important pour les creditors? Creditors, c'est une personne avec qui, c'est une personne ou bien l'entreprise avec qui nous prenons en crédit. Donc, nous purchase on credit, nous besoin payer, ou vous faites matière, une personne nous donne un mois de crédit ou bien deux mois de crédit. Donc, nous gardons les raw materials, mais le paiement, le décaissement, nous pouvons faire après deux mois. Donc, nous gagnons une période de deux mois pour nous capables de servir le produit là, nous capables de vendre et puis nous capables de payer deux mois après. Donc, ça, c'est très important pour les creditors. Ce qui fait l'important, si par exemple, il y a un problème de cash dans l'entreprise avec qui la personne peut deal, le creditor peut deal, donc bien sûr, il peut être réticent dans l'avenir pour capable de sell on credit. Au lieu d'un deux mois de crédit, au lieu d'un trois mois de crédit, peut-être il est capable de diminuer, il est capable d'un mois de crédit, ou bien il est capable d'être exigeant, payer seulement en termes de cash. Donc, le cash flow statement qui peut donner nous ça. Ça, l'information là. Est-ce que l'entreprise a suffisamment de cash? Est-ce qu'il y a un cash problème? Ou bien il y a suffisamment de cash dans l'entreprise pour capable payer une dette, par exemple, pour une creditors, pour une investors, etc. Il y a également donné l'information également, par exemple, the firm ability to generate cash flows in the future. Donc, si nous analysons nos cash flow statements, nous pouvons être la tendance, est-ce que l'entreprise est capable de générer cash flow, pas si ça c'était là, mais in the foreseeable future. Est-ce que dans l'année prochaine, ou bien à deux ans après, est-ce qu'il peut gagner ce problème de cash flow? Donc, à partir de statement of cash flow qui nous pouvons être cette année-là, nous sommes capables de finir la tendance. Nous pouvons être un coup également de firm capacity to meet cash obligations. Est-ce que l'entreprise est capable de payer sur un créancier? Est-ce que l'entreprise qui peut pas payer sur un outstanding expenses? Est-ce que l'entreprise est capable de payer loan, par exemple? Est-ce qu'il est capable de payer l'intérêt dans le loan? Donc, tout ça là, c'est très important. The firm's future external financial needs. Est-ce que l'entreprise est capable, s'il prend un loan demain, il est capable de rembourser ce loan qu'il peut prendre, rembourser le capital et l'intérêt? Donc, autant de raisons pour lesquelles le cash flow statement, c'est un statement, c'est un compte, c'est un account qui est très important pour qui ban internal users et ban external users bizarrement pour capable prendre une série de décisions. Donc objectif de cash flow, si nous get ça slice là, vous trouvez qu'il highlight the cash flow from different activities. Il aide nous for the short term planning, donc surtout where cash is involved. Cash flow information helps to understand liquidité, donc combien l'argent liquide dans l'entreprise, les nouveaux tiroirs dans l'entreprise, combien l'argent nous est liquide qui est available pour efficient cash management, right? Le montant de cash qui est le montant de liquidité dans l'entreprise aide le management à prendre une décision importante. Prediction of sickness, est-ce qu'il peut prévoir, d'après le montant de cash qui est dans l'entreprise, est-ce qu'il peut prévoir que l'entreprise est capable de souffrir from deficiencies in cash? Est-ce qu'il y a suffisamment de cash qui nous garde, OK, payons aucun problème et l'avenir est plus ou moins assuré. L'avenir est plus ou moins brillant. Mais par contre, s'il y a un cash problème, il y a un liquidity problème, là, définitivement, il y a matière à réflexion, il y a matière pour prendre en considération pour qu'il soit capable d'improve the system. Et puis, bien sûr, nous faisons comparison with budget. Au départ, nous faisons un budget. Nous avons un coût de combien nous pouvons expect cash inflow, combien cash outflow. Et puis, nous comparons après avec le exactement ce qui est arrivé un an après. Là, nous commençons l'entreprise. Donc, nous compare the budget and the actual cash flow statement et nous avons une différence. Et la différence entre les deux nous permet de nous prendre une décision qui s'impose. Donc, le cash position, en dernier lieu, moi, je dis important, comme quelle situation, liquidité et cash pour dans l'entreprise. Maintenant, quelle limitation d'un cash flow statement? Bien sûr, un cash flow statement, si nous prépare seulement un cash flow statement, il n'est pas pour permettre nous gagner toute bonne information qui va les internal stakeholders avec les external stakeholders bizarre. Cash flow statement, il donne nous bonne information seulement en ce qui concerne cash
Par contre, dans credit transactions, nous pas pour gagner information. Donc, nous pouvons toujours avoir un recours à income statement avec financial position. Quand vous trouvez, it is not a substitute of the income statement. Si les compliments de income statement, les compléments, ça deux financial statements qui nous étaient auparavant. Les compléments de l'income statement qui nous contrôlent le profit ou bien la perte, les compléments d'information également pour the financial position. Donc, prend en totalité le trois financial statements. Donc, d'une part, l'income statement et puis le financial position. Et puis, là, nous ajoute avec ça the cash flow statement. Donc, là, nous gagnons global picture de l'entreprise. Donc, tous les trois, c'est ben trois financial statements qui sont très importants. Et n pas capable de stand alone. Il n'y a pas qu'à nous préparer, et nous pouvons gagner global picture of the enterprise. Il faut donner une somme totale of the three accounting statements, of the three financial statements. Comme je disais au départ, c'est trois statements, trois financial statements qui sont très importants pour qu'il y ait une entreprise préparée pour capable montrer nous the financial position, the cash flow et puis the performance of the enterprise. Alors, un petit diagramme pour montrer nous from where cash comes from and from there where cash goes. Donc, la source de cash, c'est le profit qu'une entreprise génère. The sales of fixed assets, c'est une vente de fixed assets, nous gagnons revenu, nous gagnons l'argent, donc c'est sales of fixed assets. Decrease in debtors, comment decrease in debtors représente cash? Donc, un petit monde qui peut doit nous payer, donc un petit monde qui doit nous prendre en crédit. Une personne qui doit nous payer, donc nous gagnons cash dans l'entreprise, c'est cash entrant. Capital introduced, nous ajoutons encore capital dans l'entreprise. Loan received, increase in creditors. Donc tout ça là, ça représente une source de cash qui rentre dans l'entreprise, qui nous appelle the cash inflows. Maintenant, à qui l'argent est destiné? Donc qui est l'item qui nous dépensait? Nous perdons de l'argent, nous faisons des losses, nous purchase fixed assets, nous augmente nos stocks, donc c'est l'argent qui nous besoin de dépenser. C'est increase in debtors. Donc, au lieu de dire que nous payons en cash, je peux demander une période de crédit. Donc, nous n'avons pas de cash suffisamment. Nous n'avons plus beaucoup de crédit qui cash. Mais si nous avons des drawings, nous pouvons retirer l'argent dans l'entreprise ou bien dans le cadre d'une compagnie, nous pouvons payer dividendes, nous pouvons payer loan, nous pouvons decrease the creditors. Donc, tout ça là, c'est une rubrique, c'est un item là, qui nous dépense l'argent. Donc, à gauche, c'est the sources of cash. Et puis, à droite, c'est un item qui nous dépense cash. La différence entre les deux, évidemment, living the cash flow de l'entreprise. Si le cash inflow is greater than the cash outflow, nous prenons le cash flow pour positif. Au cas contraire, nous prenons un negative cash flow. Et comme on dirait, negative cash flow, c'est source de beaucoup de problèmes, c'est source d'inquiétude pour l'entrepreneur. Et le plus vite possible, il a besoin de redresser la situation. Sinon, l'entreprise peut gagner un problème de liquidité qui est un problème numéro un qui est une entreprise faire face, surtout à l'entreprise qu'on a trouvé dans la période de COVID-19. Il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent faire énormément de problèmes de liquidité. Il y en a beaucoup de dépenses, mais en contrepartie, il y a de l'argent qui est rentré. Alors, en résumé, the statement of cash flow sur l'ability of a company to generate cash, right? Comment ils gagnent l'argent et puis comment ils dépensent. Alors, the cash flow activities, nous sommes capables de classifier les en trois activités. Nous avons trois types d'activités pour une entreprise. Nous avons the operating activities, donc day-to-day operation of the enterprise. Nous avons the investing activities, que l'entreprise est à investir. Et puis, nous avons the financing activities. Et les trois ensemble, les font partie de nos cash flow statements. Maintenant, nous allons très rapidement, c'est quoi the operating activities, c'est quoi the financial activities, investing activities, et puis, the financing activities. Alors, operating activities, c'est une activité qui, the day-to-day running of the enterprise, on the sales of goods and services, et puis, in the payments of expenses, par exemple, wages, goods and services purchased. Donc, la différence entre les deux, pour faire the cash flow through operating activities. Donc, qui man cash inflow, nous non, en ce qu'il s'agit d'operating activities, nous avons cash sales, received from debtors, etc. Cash outflow, nous avons cash purchases, payment of creditors, cash operating expenses, payment of wages, etc. Donc, ça, c'est sous le rubrique de operating activities, which is the main objective of the enterprise. L'entreprise est formée pour vendre soit un produit ou bien un service. Donc, la différence entre cash inflow et the cash outflow, c'est pour montrer nous l'argent qui nous est dans sous
operating activities. En ce qui s'agit de investing activities, ça inclut ban purchasing and selling of long-term assets and marketable securities. Bien sûr, l'entreprise ban formée avec cet objectif-là, mais en cours de route, les bizarres vendent ban assets. Donc, les vendent ban assets, les gagnent l'argent. Ou bien, les bizarres purchase ban additional assets, que tu bizarres déboussent l'argent. Alors ça, les sous investing activities. Donc, cash inflows, c'est sales of fixed assets, sales of investment, interest received, etc. Mais en contrepartie, ban cash outflow, donc nous pouvons purchase fixed assets, nous pouvons purchase investment, nous pouvons augmenter nos working capital, ça veut dire l'argent qui nous besoin for the day-to-day running of the enterprise. Donc, la différence entre the cash inflow et the cash outflow, il y a nous the cash flow under the investing activities. Troisième et dernier, c'est ban financing activities. Right? Qui veut dire ça? It includes issuing and buying back of capital stock, as well as borrowing and repayment of loans. Donc, ban cash inflow, nous, non? C'est ban issue of shares, c'est surtout ban compagnie. Donc, ben, nous pouvons issue ban shares, nous gagnons l'argent. Nous issue debentures, nous gagnons l'argent. Ou bien proceeds from long-term borrowing. Et en contrepartie, ban cash outflow qui nous est non? The payments of loan, payments of dividend, interest paid, etc. Donc, ça, c'est sous financing activities. Donc, comment nous finançons l'entreprise? Donc, la différence entre the cash inflow et the cash outflow, il montrait-nous the cash flow under financing activities. Alors, là, nous prenons tout ça en considération. Là, nous prenons tout ça en considération. Donc, nous pouvons gagner the cash flow from the operating activities, the cash flow from the investing activities, and the cash flow from the financing activities, and the sum total de tout ça là, finalement, il peut donner-nous the cash flow of the enterprise. OK? Alors, the preparing of statement of cash flows, on va vous trouver en bas, net cash flow, donc cash inflows retire cash outflow. Donc, nous pouvons dire net operating cash flow is equal to income after tax, ajoute dépréciation. Qui fait nous ajoute dépréciation? Comme tu disais ça la dernière fois, dépréciation, c'est une dépense, c'est une charge non décaissable. Ça veut dire nous mettre un item, un l'argent en dépense pour dépréciation, mais ne pas débourser l'argent. Donc, nous besoin rajouter l'élément de dépréciation parce qu'il nous tire retirer dans le calcul de profit. Pour nous arriver de chiffre de cash flow dans l'entreprise, nous besoin ajouter l'élément de dépréciation parce qu'il nous pas décaisse l'argent et nous tire retirer dans le calcul de le chiffre de profit. Donc, order of presentation of cash flow, c'est operating activities, investing activities et financing activities. Voilà le croquis de operating activities. Nous avons deux méthodes, c'est direct avec indirect. Le direct method, nous commence from the cash receipts, ça veut dire sales, man l'argent qui est rentré, commission, l'intérêt, et puis nous retire cash payments, ça veut dire nous avons purchases, payment for the employees, operating expenses, et au bas là, nous prenons the cash que nous recevons, nous retire cash payments, nous gagnons ce qu'on appelle the cash flow from operating activities, qui est une activité dans l'entreprise, pas payé et non financing avec investing. The indirect way, the indirect format pour calculer the cash flow of operating activities, nous commençons avec net profit before tax. Nous ajoutons fair value adjustment pour dépréciation, loss on sale of fixed asset, loss of evaluation. Et puis nous adjust for sabanitem en bas là pour nous capables finalement arriver le cash flow from operating activities. Toutes les deux réponses, nous avons la même chose, c'est la présentation qui diffère. Vous pensez que ça est moins important que le format de cash flow statement? Ça, vous pensez, est beaucoup plus important. Alors, le format of cash flow statement, nous pouvons avoir trois parties importantes. Parce qu'il nous dit, dans cash flow statement, nous pouvons avoir trois sections. Operating activities, investing activities et financing activities. Donc, là, nous ajoutons le cash flow from de tous les trois. Donc, premier, operating activities, nous prend inflow, nous retire outflow. Investing activities, nous prend inflow, nous retire outflow. Financing activities, nous prend inflow, nous retire outflow. Là, nous ajoutons tous les trois. Nous pouvons arriver à ce qu'on appelle the net cash provided, de net cash flow dans l'entreprise. Bien sûr, il est capable positif ou négatif, dépendant, est-ce qu'il inflows plus ou bien outflows plus. Là, nous prenons notre net cash, net increase in cash. Là, nous ajoutons avec l'argent qui nous tient au départ dans l'entreprise. Là, nous commençons l'entreprise. Et puis, nous arrivons ce que nous appelons the cash at the end of the period. Nous tient cash at the beginning of the period. Nous ajoutons the cash flow dans l'entreprise, quand nous prenons inflow, nous retirons le flow, et là nous gagnons the cash at the end of the period. C'est ça l'argent qui nous est là, at the end of the financial year. Pour résumer,
Donc, vous me redirez qu'il y a trois sections dans le cash flow, donc operating activities, investing activities et financing activities. Les noisettes de cash flows dans ça, tous les trois-là. Nous arrivons ce qu'ils nous appellent the net increase in cash flow, car positif ou négatif, dépendant in flow, plus qu'il y a un flow. Et puis, nous ajoutons at the cash at the beginning of the period, pour nous arriver at the end, the cash at the end of the period, qui représente l'argent qui nous donne l'entreprise at the end of the financial year. Voilà un petit peu le statement of cash flow sur l'importance. Pour moi, donné, il est très important pour nous montrer nous combien l'argent nous donne dans l'entreprise. Et ça, c'est un élément d'information qui est extrêmement utile pour nous connaître la liquidité dans l'entreprise. Et la liquidité dans l'entreprise est très important. Une entreprise est capable, profitable, mais est capable d'avoir un problème de liquidité. La semaine prochaine, là, nous pouvons faire the financial analysis. Nous pouvons trouver qui différence qu'il y a entre profitabilité avec liquidité. C'est beaucoup plus important une entreprise qui est non cash available. Il est capable, pas autant profitable, il peut avoir un profit énorme, mais l'entreprise-là, il est non suffisamment cash pour meet certain obligation. Il est non suffisamment de liquidité dans l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus important qu'il est non un gros profit. Profit est important, mais beaucoup plus important, c'est availability of cash in the enterprise. Ceci résume un petit peu le trois statements qui nous guettaient samedi et nous guettent deux aujourd'hui, donc income statement, statement of financial position et puis cash flow statement. Comme je disais au départ, c'est trois financial statements qui pertinents, qui extrêmement importants. Il y en a beaucoup les autres qui sont importants, mais du moins pour un entrepreneur potentiel qui se détient, qui peut-être vous demande l'entreprise assez savant. C'est trois financial statements qui sont extrêmement utiles pour vous. Et pour moi, l'information qui est dégagée de ces trois financial statements-là, il y a pour autant pour un decision making, que ce soit interne, que ce soit externe. Donc, ça, c'est trois financial statements qui sont très importants. Samedi prochain, nous pourrons aborder la dernière partie de sa session qui est dédiée à la comptabilité. Nous pouvons faire ce qu'on appelle le financial analysis. Nous pouvons avoir différents ratios qui sont importants, à partir de quoi nous sommes capables de prendre des décisions, management, ou bien une personne externe pour prendre des décisions, management making. Donc, nous pouvons avoir ça samedi. Donc, d'ici là, vous pensez, si vous ne connaissez pas évident, vous avez dit au départ, là, tu commences la section comptabilité la semaine dernière. Faire la comptabilité par Zoom est beaucoup plus difficile, que ce soit pour la personne qui peut faire ou bien at the other end, the receiving end, vous connaissez, il est difficile. Peut-être, si vous avez une question, nous sommes capables de prendre la semaine prochaine parce que nous avons fait tout le financial statements qui nous supposaient guetter dans cette session-là. Donc, avant le débat, la prochaine session, si nous sommes capables de prendre quelques-uns de ces questions-là et nous sommes capables de trouver un élément de réponse, pour qui vous êtes capable d'avoir une idée un peu plus claire, tout le doute capable d'éclaircir, pour qui demain, si vous êtes là pour préparer ce financial statement-là, vous pouvez un peu plus à l'aise. Et je connais qui côté pour mes qui ma transaction rentre dans qui financial statement et je vais dans une position plus correcte pour capable faire sa bonne financial statement. Donc feel free, envoyez-nous maximum de questions, mais surtout man qui pas de faire comptabilité. Moi connais man qui me fait comptabilité pour relativement facile à assimiler tout ça là, parce que peut-être est very basic pour man qui déjà fait comptabilité au niveau de Form 5 ou bien HEC ou bien si je le fais à l'université. Mais par contre, vous pensez dit pour un petit peu plus difficile pour man qui débutant. Donc, nous le faisons d'une façon compressée, assimile autant d'informations, ce n'est pas important. Donc, à tout loisir, vous pensez, je suis capable de temps en temps consulter mon livre, soit Form 5 ou HSI, pour garder une idée un peu plus compréhensible, un peu plus détaillée, dans trois financial statements que nous causons. Donc, envoyez-nous, feel free, envoyez-nous autant de questions et nous pouvons essayer de répondre à toutes ces questions-là avant nous entamer. Donc, la dernière partie de comptabilité de la session section financière comptable de sa formation de l'entrepreneuriat. Donc, comme d'habitude, pour terminer la session, on va peut-être prendre deux, trois sayings. Vous pensez qu'il est très important. Vous connaissez aussi Simon faire ça, il fait avant de piquer de temps en temps pour nous rappeler l'information principale qu'il a envie de retirer, qu'il a envie de faire passer. Donc, le premier, c'est, il y a nous comme ça, entrepreneurship is living a few years of your life like most people won't, so that you can spend the rest
of your life like most people can't. Donc, bien sûr, le message qu'il nous tirait de sa citation-là, c'est mon premier mois, mon première année, c'est mon année très difficile, très pénible. Attendre à un moment difficile, beaucoup d'obstacles. Mais bien sûr, qui beaucoup de monde pas pour autant aventurer, won't. Mais une fois qu'il nous réussit surmonte un obstacle, une fois qu'il nous réussit de persévérer, bien sûr, l'avenir s'annonce beaucoup plus positif et nous sommes capables donc bénéficier beaucoup de bénéfices qui vont les autres du monde qui pas aventuré bénéficier. Et le dernier, vous pensez, il explique, il parle d'elle-même. Escape life's cubicle. Donc beaucoup d'entre nous, beaucoup de jeunes, beaucoup d'entre nous, nous dans nos comfort zone, nous dans nos forgotten dreams and côté, nous dans nos fears, nous trouvons être encadrés, fermés dans une boîte. Donc, pour nous capables perform well, pour nous capables mettre nos rêves en réalité, pour nous capables aventurer nous dans le voie entrepreneurial, faudrait qu'il nous sorte dans sa cubicle là. Et à partir de là, beaucoup de choses positives pour émerger. Donc, avec ceci, mon pensée, c'est enough food for thought. Nous pourrons l'occasion retrouver pour la dernière session de comptabilité samedi prochain. Mon réalisme, si vous avez une question, feel free. Je connais pas si évident faire la comptabilité, suivre la, forme, la comptabilité comme ça par Zoom. Mais la situation oblige. Donc, any question, any éclaircissement que vous avez envie. Feel free, fais-nous gagner. Vous pouvez essayer de prendre le pendant la semaine prochaine avant de démarrer la toute dernière partie de sa section de comptabilité. Là. Donc, d'ici là, passez une bonne soirée et vous retrouvez pour samedi pour la dernière partie de la section comptabilité. Merci bien et à plus tard.